Retourne dans sa nouvelle vidéo et donc c'est pour présenter un colis. Donc, enfin, un colis, c'est une petite commande que j'ai fait parce que c'est vraiment une petite commande. Donc, voilà, j'ai acheté quelques petites choses. Donc, c'est chez Parlaya et je fais cette commande parce qu'il y a des choses que je commande pas d'habitude. Enfin, quand même, mais bon, j'ai fait des petites breloques. Voilà, vous montrer parce que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de nouveautés quand même. Donc, j'ai juste ouvert pour que ce soit plus simple. Donc il y avait des choses aussi que j'ai pris que je n'avais pas pris avant parce que je ne les trouvais pas. Donc ça, je suppose que c'est la facture qui est tombée dans un sachet zip, c'est très drôle. C'est sur un petit comme ça, je vais pouvoir vous donner les prix. Et également, il y avait, donc je vais pouvoir vous donner les prix habituellement et avec la réduction parce qu'en fait j'ai commandé parce que il y avait moins 20% sur toute la boutique. Donc voilà tout ce que j'ai commandé. Ok, donc voilà, je vais commencer par les rubans. Donc en fait, j'ai voulu prendre un assortiment de rubans à pois parce que j'ai pas beaucoup de couleurs. J'ai que quelques couleurs de rubans à pois. Et sinon, d'autres que j'ai mais qui ne sont pas là-dedans. Donc voilà, donc comme ça, j'ai vraiment pas mal de rubans. Donc c'est un lot de 10 mètres. Donc il y a 10, il y a 1 mètre de 10 couleurs, enfin de 10 sortes de rubans à pois. Et ça m'a coûté... Ça m'a coûté 4€ avec les moins 20% car je me suis rendu compte qu'en fait il n'y avait pas les prix basiques, donc c'est avec moins 20% que j'ai payé ça 4€. Et du coup on va faire maintenant tout le paquet, tout l'autre sachet. Donc j'ai aussi commandé un autre ruban. Alors oui, j'ai, donc il y a la petite carte, voilà, donc des petits prix à tout prix, donc petite carte. Voilà. Et donc voilà, il y a aussi ça, donc c'est de la chaîne. Et en fait, c'est pas pour moi, c'est j'ai prévenu une amie, que je commandais sur Perlaya. Et du coup, elle m'a demandé de prendre 2 mètres de chaîne. Donc voilà, c'est 2 mètres de chaîne. Donc je vais passer à ce que j'ai pris. Donc j'ai commencé par les nœuds. Donc j'ai pris pas mal, pardon, de nœuds. Donc j'ai pris à chaque fois 5 nœuds. Donc j'en ai pris 10 vu que j'ai pris à chaque fois 5 nœuds en double. Donc je me suis fait un stock de plein de couleurs parce que j'aime bien sortir tant mes créas, mes bijoux avec des nœuds. Donc un sachet de 5 nœuds coûtait 50 centimes, donc à chaque fois j'en ai pris deux, donc ça m'a fait 1€ par couleur, on va dire. Donc j'ai pris des jaunes, j'ai pris des oranges, des intermédiaires entre le jaune et l'orange, des bleus foncés, des bleus clairs, des roses fuchsia et des gris. Donc voilà. Donc voilà, comme je l'ai dit, un sachet coûtait 50 centimes. Ensuite, j'ai pris des breloques. Donc, alors, j'ai d'abord pris... que je trouve... 5 breloques étoiles, comme ceci. Donc celle-ci. Voilà, donc elles m'ont coûté 24 centimes. Ensuite, j'ai pris un lot de 10 petites breloques étoiles, donc comme ceci. Donc, 40 centimes. Ensuite, j'ai pris un lot de 5 petites breloques nœuds, donc à 20 centimes. Et ensuite, pour finir dans les breloques, j'ai pris 5 breloques par de gâteau. Donc ils m'ont coûté 50 centimes. Là par contre, je sais pas si on va voir. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de luminosité. Donc voilà, elles sont super détaillées. Et elles sont... La taille est pas mal, j'aime bien. Donc ensuite, donc c'est tout pour la breloque. J'ai pris des fermoirs. Donc le lot de 20 fermoirs 12 mm en argenté coûte
92 centimes. Donc tout ça, tous les prix que je vous donne, c'est avec la réduction de moins 20%. Donc dépêchez-vous d'aller commander, hein, parce que je sais pas si... Parce que s'il y aura peut-être pas la commande pour très longtemps, faut que je sais pas en fait les dates. Donc ensuite j'ai pris 1 mètre de ruban. Alors hop, 1 mètre de... Donc il m'a coûté 52 centimes. Voilà. Donc je pense pour cet été je vais me faire avec une breloque encre, un super bracelet. Et pour finir, je me suis acheté des perles. Donc des perles nacrées. Donc un lot de 100 qui m'a coûté 1,60. Donc là, presque, quand je les vois, j'adore les couleurs. J'aurais dû en prendre 200, 300. Enfin, juste 200, parce qu'après, je vais pouvoir commander. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est tout pour ma commande. Donc, pour le total, j'en ai eu pour 6,68€. Et sans compter les frais de port qui m'ont coûté, du coup, 20€. Sachant qu'il y a la chaîne qui m'a coûté 1,28€. Voilà, les 2 mètres de chaîne, 1,28€. Donc voilà, donc j'aime beaucoup cette boutique. L'envoi, j'ai commandé dimanche soir et on est mardi après-midi. Donc bah mardi midi, le passé et passe. Donc voilà, toujours des cadeaux, une petite facture et donc un enveloppe bulle. Voilà, simple. Donc bulle à l'intérieur, hein. Voilà, comme j'en ai déjà. C'est tout fou. Voilà, c'est bulle à l'intérieur. Donc très protégé, pas de casse, de la bonne qualité parce que je commande souvent. Donc voilà, je vous conseille Perlaya parce que c'est des petits prix, hein, comme vous avez pu voir. Ça coûte pas bien cher et puis bah voilà, je vous laisse et... Oups, pardon. Et je vous dis...